はあはっはあ。 C'est un cochon. Croink, croink, fait le cochon. Oui. Et donc, 3 ans et des poussières après sa sortie, on peut dire que la Switch est officiellement la console sur laquelle tu joues à des jeux auxquels tu as déjà joué, ou auxquels tu pourrais jouer ailleurs, mais tu vas y rejouer sur Switch, là où ils sont plus chers parce que, bah, c'est la Switch. N'est-ce un bon résumé selon vous Certains considèrent l'aspect plateforme centralisée pour jouer à tout comme une qualité. Cependant, personnellement, je sais pas. avant de continuer, vous allez faire quelque chose. Me regarder dans les yeux et me donner le nom d'une exclusivité Switch qui vous a réellement marqué. Je rappelle que Zelda est sortie sur Wii U et que DC n'est pas une réponse acceptable. Mais ça, on le sait tous au fond de nous, hein Parce que ce qui s'en rapproche le plus pour moi, c'est Luigi's Mansion 3. Et c'était bien, mais... Mais pour une console qui en est à la moitié de son cycle de vie, je trouve son cas un peu préoccupant à ce niveau-là. Mais Nintendo n'a pas encore terminé de perpétuer la tradition de sortir un épisode de chacune de leurs franchises sur leur console. Alors voici maintenant le Paper Mario de la Switch. Le successeur de la porte millénaire Nintendo Non c'est non. Un jeu dont j'avais prédit l'existence plus d'une année avant qu'il ne soit annoncé, ce qui, non rassurez-vous, dévoile moi mes capacités surnaturelles de devin que la prédictabilité de cette industrie et de son système de franchise. Papier, japonais, origami, voyez, Non, même vous auriez pu le trouver. Mais bon, si vous le souhaitez, vous pouvez m'appeler l'oracle ploufesque. Non, non, euh, sa majesté l'oracle ploufesque. Le second Non, ça c'est très très bien cher public, ça va On ne s'est plus vu des masses ces derniers temps, hein Pas trop de jeux à réclamer, hein Mais d'ailleurs, vous aimez Paper Mario Nah, moi j'aime bien Paper Mario. Enfin, j'aime bien la Porte Millénaire. J'adore la Porte Millénaire. Il est à mes yeux un jeu presque parfait. Voilà. Sans rentrer dans les détails, il réussissait pratiquement tout ce qu'il faisait, mais représentait ainsi un parfait exemple pour poursuivre la série. Un exemple qui n'a jamais été suivi, et la série est devenue une espèce de gloobie bulga au style indéfinissable. Est-ce vraiment ce que tu voulais être Pepper Mario. C'est comme si l'enfant prodige s'en était allé voler de ses propres ailes pour finalement faire de la peinture expressionniste avec des restes de nourriture qu'il aurait lui-même cultivé dans sa communauté de hippies. C'est genre... Oui, d'accord, tu fais ce que tu veux. Mais ça n'était pas censé se passer comme ça, Pepper Mario. Ça n'était pas censé se passer comme ça J'ai personnellement perdu tout espoir que la série nous offre une suite à la porte millénaire. C'est foutu, c'est trop tard. Il n'empêche que je continue malgré tout à les acheter et à y jouer tel enfant non mon dieu, suis-je un fan de Paper Mario hmm, Peut-être. Mais que ça vous serve de leçon, il ne faut jamais être fan de quoi que ce soit, vu que vous finirez par être trahi, mais que vous aussi vous retrouverez à 37 ans à attendre la sortie d'un jeu qui va consciemment vous décevoir, en vous demandant à quel moment de votre vie vous avez bien pu perdre pied. Ok, donc Mario et Luigi sont en chemin pour le château de Peach, mais une fois arrivés, ils se rendent compte qu'il a été pris en otage par le roi origami qui a changé tout le monde en origami parce qu'il est méchant. Mario s'enfuir avec Bowser, Mario tomber, château saucissonné dans 5 serpentins de couleurs différentes, sidekick insupportable faire son apparition et trouver un prétexte pour rester avec Mario, Mario traverser tutoriel interminable de plus de 2 heures, arrivé à la conclusion que falloir enlever un à un les serpentins attachés à différents endroits dans les alentours, chose que vous aviez certainement déjà déduite 2 heures auparavant. Et niveau histoire, bah c'est à peu près tout, en fait. On va pas commencer à surcharger les cortex cérébraux des joueurs Non, ça serait contre la politique de l'entreprise Chaque serpentin va donc permettre au jeu de nous faire visiter différentes zones dans lesquelles on va résoudre des petites énigmes, décoller des taudes cachées un peu partout, reboucher les trous grâce à un système de confettis qu'on ramasse à droite à gauche, et qui n'a rien à voir, sarcasme, avec le système de peinture dans Color Splash. Utiliser des bras étendus pour révéler des chemins cachés en gesticulant avec la manette, puisqu'il n'est jamais trop tard pour prétendre qu'on est en 2006, mais s'en aller chercher des là? Légendaires dans des temples afin de récupérer leur pouvoir. Tout ceci afin d'obtenir l'accès aux serpentins défendus par les boss du jeu qui sont. des objets de bureau. Ah, je suis désolé, mais je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Quelle exceptionnelle inventivité! Même pas avec des yeux et une bouche, hein! Juste des objets de bureau modélisés en 3D. Ah, si vous avez toujours voulu combattre une perforatrice, nah, c'est l'occasion ou jamais! Mais bien sûr, ça ne serait pas un Paper Mario s'il n'était pas parsemé de combats autour par tour dont l'unique utilité est de gagner des pièces d'or, vu qu'ils ont définitivement mis à la poubelle le système d'expérience. Des combats que je trouve cependant indubitablement originaux, puisqu'ils sont avant tout des casse-têtes. Ils prennent ainsi place sur un damier arrondi, et l'objectif est de rec... Regrouper les ennemis en une ligne ou un carré en déplaçant les cases latéralement ou verticalement dans un laps de temps et un nombre de mouvements définis. Ah, si l'on y parvient, il est alors possible de gagner le combat en un tour sans devoir défendre. Ah, une très chouette idée. Mais... Et comme pour la plupart des éléments du jeu, une chouette idée entravée par la volonté de réduire au maximum la difficulté et la profondeur de tout et n'importe quoi. Donc les combats deviennent rapidement une formalité. Et les quelques casse-têtes qu'on ne résout pas ne sont jamais particulièrement handicapants. Mais bah c'est dommage. Euh, dis-je, t'aurais quand même pu bosser un peu plus le caractère design et la personnalité des taunes. Hein. Je dirais, on dirait qu'ils sont tous pilotés par une intelligence centralisée. Oh, oh non 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 on n'a pas le droit de s'amuser avec les propriétés intellectuelles de notre multinationale. On oh, se strictement interdit. Donc euh, bah libère les taudes, et, euh, ferme ta gueule. Hein mmh. Eh, hey, ne me dis pas ce que je dois faire. Je conçois hein, qu'il est futile de se plaindre de l'évolution d'une série qui a eu son heure de gloire il y a 16 ans, mais il n'empêche que tous les éléments qui fonctionnent dans Origami King tirent du côté d'un RPG. Et rappelle, bah la porte millénaire. L'univers montre davantage de cohésion vu qu'il n'est plus découpé en niveaux. Le système de combat est original, dynamique et efficace. Il y a des villes qui proposent différentes boutiques. Je perçois plus de diversité et d'inventivité dans les environnements et les objectifs. Mais certains passages sont bien dans le ton décalé et absurde qui faisait la splendeur de la porte millénaire. Ne, je trouve que tu as un certain charme, Origami King. C'est pourquoi tu reçois un vue pour ces éléments-là. Non, je t'en rajoute un aussi pour la musique. Ah, très réussi et orchestrale. Mais je vais même en rajouter un demi sous-personnage. Bobby le bob est un rayon de soleil au milieu d'un océan de platitudes todesques. Son aura illumine le second chapitre qui est clairement le point culminant du jeu à tous les niveaux. Même Olivia est la sidekick énervante la plus attachante dont je me souviens dans un jeu Nintendo. Bah tu vois, Pepper Mario, quand tu y mets du tien et que tu arrêtes d'être têtu comme une mule, ah, tu peux toujours faire de très belles choses. Ce qui fait qu'au final, Origami King semble être un beau gâchis, un jeu qui aurait pu être tellement plus, mais qui est retenu dans son envol par cette espèce de formule informe introduite par Sticker Star. Et finalement, il ne propose aucune réelle profondeur de jeu, parce qu'on ne sait jamais. Il se pourrait qu'il y ait des gamins qui l'achètent, et qui n'ont pas envie d'avoir le moindre mal à en venir à bout, si tant est qu'ils tiennent pendant 25 heures d'un jeu qui est quand même très bavard. Paper Mario est une franchise de niche, Nintendo. Vous n'allez pas la changer soudainement en un succès international. Une niche peuplée de gens comme moi, qui ont connu son heure de gloire, et qui y sont attachés parce qu'ils comprennent son potentiel. Tu aurais pu être... Un exceptionnel RPG, Origami King. Un voyage inoubliable. Mais au lieu de ça, tu t'entêtes sur ta formule qui ne plaît à personne ou presque. Soit, tu es un grand garçon, et tu fais ce que tu veux. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi j'attends encore quelque chose de toi. Il vaudrait peut-être mieux que je laisse tomber l'affaire. D'un commun accord. Ça serait peut-être mieux pour nous deux, je pense. D'accord, je vois. Alors on se voit à la prochaine sortie. Oui, on se voit à la prochaine sortie. Na j'y compte bien. Quoi non, j'ai encore deux trois trucs à vous dire. Alors, c'était la dernière chronique avant les vacances. La chaîne n'est pas encore tout à fait en pause hein, puisque la semaine prochaine, il y aura encore une vidéo. Mais après ça, elle sera en pause jusqu'à début septembre. Peut-être que je ferai un ou deux lives pendant la pause, on verra. Euh, J'apprécierais en tout cas si vous pouviez cliquer sur la cloche des notifications. Non, je n'en abuse pas, je vous le promets, ça serait gentil en tout cas. Et puis si jamais vous voulez ne manquer aucune nouvelle, bah n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux ou de rejoindre le Discord. Hein ah, vous êtes cool. Euh, encore avant qu'on se quitte. Concernant la campagne Ploufesque. J'avais espéré que ça soit réglé avant les vacances, mais finalement non. Alors, aux dernières nouvelles, les colis seront faits la semaine prochaine et vous seront ensuite envoyés. Le jeu de plateau a mis plus de temps que prévu, mais je suis sûr que vous serez content du résultat. Encore une fois, sincèrement navré pour le retard. Maintenant, si jamais vous avez une remarque ou si vous avez déménagé ces derniers mois sans mettre à jour votre compte KissKissBankBank, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail à mon adresse rapidement et je vous donnerai la marche à suivre. Ok Voilà, voilà. Allez, passez de bonnes vacances et on se revoit en septembre pour la rentrée